Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétablant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Et puis avant de commencer, respectons les joueurs, respectons ce qu'ils ont fait. D'abord, voilà, faut pas rien dire de l'argent qui est pélégré pour rien. Parce que moi, je ne dirais jamais ça de il respecte ce qu'il a fait à Abidjan Sud. Il n'a jamais vu jouer, c'est vrai. Mais, entendre parler les gens, il a fait des merveilles. Donc, je respecte ça. Ce dont je veux parler là, c'est de mon pro, mon joueur Pelé Guéré, le joueur le plus fort de la terre. Tu me vas le voir? J'ai mis ma Fosso. Bonjour maman. Aujourd'hui là c'est Pelé Guéré. Attends, vous faites exprès ou bien c'est posé, vous cherchez? Moi je ne sais pas. Un gars qui fait rentrer un troupeau de bœufs au terrain. C'est-à-dire que le berger, il est à Port-Boué. On dit Pelé Guéré joue, il vient le troupeau de bœufs. Aux ébiers. Terrain, match est gâté. Alors, vous parlez de qui, même? Débattement de qui? Un moment, à cause de qui, l'ambulance s'arrête. Il y a un blessé dans la voiture. L'ambulancier garde la voiture, vient derrière le ballon. Oui, chez Okozeri. Zidane, moi, je suis pressé derrière toi. Faut respecter le talent des gens. Yopougon, mesdames, ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, Yopougon, c'est la commune, la plus grosse commune d'Afrique de l'Ouest. Ça s'appelle Yopougon. Nous sommes issus de Yopougon. Que ce soit Arafat, paix à son âme, que ce soit moi, que ce soit Franky DiCaprio, tous les vrais artistes que vous connaissez là, tous les artistes que vous connaissez, la plupart viennent de Yopougon. Tous les grands footballeurs, les légendes viennent de Yopougon. Yaya Touré, Koro Touré, Didier Drogba, c'est Yopougon. Venez pointer son main. Il y a un mort qui fait bloquer ambulance. Il y a des blessés dedans. Les ambulanciers descendent, ils peuvent les guérir jour. Les gars, ils croisent les blagues, rien. Ils déposent. Trop parler là, ça donne d'abord. Pelé Guéré est au Nigeria. On le fait décoller. Il va venir à Abidjan. Demande tu dis, tu me connais? Pelé Guéré, c'est le. Les mots me manquent. Dibé, moi je ne veux pas dénigrer Dibé jamais. Parce qu'il a fait, des merveilles. Mais il parle de Pelé Guéré. Pelé Guéré, c'est un monument. Pelé Guéré, mais attends. Je vous dis que Yopougon, c'est la plus grosse commune d'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez taper sur Internet. C'est pas Yaya. C'est la commune des stars, c'est la commune des people. Un gars qui joue ballon. Pelé Guéré est en train de jouer ballon. Marché Gourou est fermé. Les mamans ne vendent plus. Les femmes qui vendent arachides, bananes, piments, tout le monde gare. Les taximans. On dit on s'en répète Pelé Guéré. Vous avez parlé de l'anecdote. Debado, tu es un infiltré. Elle dit que tu es un infiltré. Tu es un enfant de Kumasi. Tu nous as blagué. Que tu étais enfant de Yopougon. Mais tu as voir le jour du gala. Il
Il dit Kemet, il dit c'est où Yopougon. Pellegrini, Zidane, Messi, Ronaldinho, tout le monde cherche à le voir. On dit qui est ce Pellegrini. On parle en anglais. Où est Pellegrini? What is Pellegrini? Parce qu'il fait les merveilles. Toi, de Borussia, tu as vu le comparer. Faut respecter les légendes. C'est vrai, il n'a pas réussi dans le foot, mais faut respecter les légendes. Voilà. Un gars qui est entré jouer ballon à l'eau des moments c'est gris, poisson c'est brûle. Ah, en fait, il y a tellement d'anecdotes que non, je ne sais pas comment il est fait. De Ballon, c'est un mort de Kumasi, c'est un infiltré. Il nous a menti qu'il était enfant de Yopougon. Non, j'ai pas dit que c'est pas les gens qui disent. Je respecte Digbé parce que vous, les gens parlent de lui. Ceux qui l'ont vu jouer là, ils disent qu'il est fort. Et je l'ai appelé pour ça. Je respecte son talent. C'est ce que je suis en train de dire à Debodo. On dénigre personne. Demande à l'Africa ce qu'il a montré. Il n'y a pas un joueur en Côte d'Ivoire qui ne sait pas qui est Pellegrini. Il n'y a pas. Lui, c'est Côte d'Ivoire complet. Ce n'est pas pour dire Abidjan Sud. Non, non, non. Lui, on confirme. Voilà. Zidane, Pellegrini, il a confirmé dans Côte d'Ivoire complet. Il est plus un lion. C'est un robot. Quand Bobo a parlé, vous savez que vous dites que Bobo a parlé. Enfant de 6 mois qui est en avant de sa maman, il a fait une guerre à cause de Pellegrini. Il est enfant de sa maman enceinte de 6 mois. L'enfant fait une guerre. Vous parlez de quoi? Il s'est accouché 6 mois. Vous allez déposer. Moi, je vois Digbé jouer ballon. En tout cas, apparemment, il est dangereux. Toi, attends, de tout à la main, ce qui me fait mal, c'est que Debodo, tu dis que Pellegrini n'est pas fort. Faut pas faire ça, Debodo. Non, 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 il n'est pas d'accord. Faut plus jamais tu as dit ça. Un gars qui est en train de jouer ballon, ambulance s'arrête. Femme enceinte, 6 mois, son ventre est là, à toi, devant elle. L'enfant pleure, même, on entend. C'est pas pour dire qu'il y a rien. Tout le monde connaît. On entend l'enfant pleurer, un ancien de 6 mois. Vous avez déposé. Et toi-même, là, même toi-même, on a nos rambas, même toi, Debo. En jouant par là, nous deux. Par exemple, le jour de ces gars-là, moi, mais Jésus, il dit rien. Tu vas comprendre. On ensemble, la famille. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, nous, on vit foot, on respire foot, on aime le foot. Pour le foot, on s'oublie par moment. Voilà. Nous, on est capable de dire que nos petits joueurs du quartier sont plus forts que Messi, sont plus forts que Ronaldo, sont plus forts que Zidane. Ça, c'est l'Ivoirien, ça. C'est le fanatisme. Voilà. Pelé a dit jouer à Ndoussi. Ça, là, il a parlé, les gars vont penser que c'est Doi. Pelé a dit jouer. Maracana à Ndoussi. Tous les morts de Ndoussi peuvent confirmer. Hier, Touré, c'est un mort de Toi Rouge. Aïe. Ils étaient au camp Galieni avant. C'est dans la maison de leur papa, ça y est, pour un Toi Rouge. Hier, Touré, Colo Touré. Mais allez voir. Pellegrini est parti jouer les moutons. Il dit que le terrain est rempli. Dormi quand il y a un mouton qui est là, il y a bœuf, il y a cabri. Ils veulent voir le match. Mais ils veulent voir le match. Mouton. Les animaux sont sortis. Tu as vu Pangolais? Est-ce que vous avez vu Pangolais, Fafa? Pangolais est sorti à Ndoussi à cause de Pellegrini. C'est un mot. Attends. Il n'est pas plus. C'est bien sûr. Bientôt, le gala. C'est un match. C'est un discours entre nous les Ivoiriens ici. Les Sefoloé. En tout cas, à Yopougon, nous, on a eu les lions. Que ce soit Kone Kwamatien, Sefoloé, Dion Mako, les Ademoter, les Papa Gaucher, les.
Si on veut parler de, si on veut parler de, si on veut parler de, si on veut parler de Pellegrini, les gars, on va vider, c'est si fatigué, il y a fin de jour. Les animaux sortent de la forêt, pangolin à goutti, tout le monde est là. On veut les Pellegrini, toi, tu vas venir parler de Pellegrini. Il faut respecter le travail des gens de Bordeaux. Il n'y a pas ça. Tu peux dire que Dibo est fort, oui, il est fort, mais il faut respecter Pellegrini. Il nous a fait rêver, il nous a émerveillé. Il a émerveillé la Côte d'Ivoire, Abidjan complet. Il n'y a pas zone, sud, il n'y a pas zone nord. Côte d'Ivoire complet. Non, les gars, ne confondez pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que Digbé n'est pas fort ou bien il vaut rien. Non, 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 moi, je ne dénigre pas l'homme. Non, non, il n'est pas dedans. J'ai dit, je n'ai jamais vu Digbé jouer ballon. Lui qui a vu jouer là, mon ami d'enfance là, il s'appelle Pellegrini. Voilà, on parle aussi d'un certain Abou 14, tout ça là. Ça, c'est le monument d'Abobo ou bien de Adjamé. Mais les joueurs que moi, j'ai vu jouer, les Bepi, les Pellegrini, les bambans, arrêtez un peu. Et bon, on va laisser tout cela. On parle là, c'est Pellegrini. Et moi-même, le jour-là, vous allez déposer, les mains. Vous allez déposer tout le monde. Toi, d'abord, tu as déposé. Donc, mesdames et messieurs, je le confirme, je répète encore. Yopougon. C'est la plus grosse commune du monde. C'est les émotions. C'est la plus grosse commune. C'est la plus grosse commune de l'Afrique de l'Ouest. Yopougon. C'est au moins 5 millions d'habitants. C'est la commune où il y a la plus grosse star de la Côte d'Ivoire. Bon, si elle citait Didier Drogba, c'est fini. C'est la légende. Yaya Touré. Kolo Touré. Ebou Emmanuel. Tout ça, c'est Yop. Pellegrini, c'est ma camarade de quelqu'un. Maintenant, on rigole. Mais ce Pellegrini-là, si vous l'aviez déjà vu jouer, quand il pousse le ballon, c'est comme si vous étiez en train de faire le biberon de votre bébé, de votre bien-aimé, avec douceur, avec tendresse. Il joue au ballon comme si il fait rêver. Est-ce que vous avez connu Wadolf? Il y a eu Ndoussi, les pangolins sont sortis, je répète, les bœufs, les moutons, tout le monde est sorti. On veut voir Pellegrini, même Pellegrini. Deux moutons se sont battus. Pardon, deux béliers, ils ont fait un nyaga. Les morts de Ndoussi peuvent combattre, ils peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Ils sont rentrés sur le terrain, les deux béliers se sont laissés. Zokora Maestro, enfant de Yopougon. Voilà. Pellegrini, c'est un génie. Ronaldinho va donner les mains. Zidane va déposer. Messi, il va déposer. Un mancunien, Mas Gradel, enfant de Yopougon. Voilà, donnez-moi les noms seulement. Gradel, c'est un enfant de Poy. Voilà. Un bro qui joue ballon, femme enceinte de 6 mois, 5 mois et demi, son enfant pleure dans le ventre. Tous ses mains gâtées, c'est Jensen. Équipe nationale, ça fait des chances, mon frère. Le football, là, ça va, elle a la chance. Voilà, tu ne peux pas être fort sur moi. Le talent, dans la vie même, le talent seul ne suffit pas. Hein? Eric Bailly, c'est un enfant de derrière l'eau, c'est un lion.
Mais pas les enfants de Yopougon. Zidane. Tu es fou. Donc parce qu'il est, il est enfant de Koumazi, il ne va pas porter son maillot. Ça fait quoi mon frère? Laisse-toi là. Pellegrino, le plus grand joueur de la terre. Amusez-vous avec lui. C'est pas encore fini. Hein? C'est pas encore fini. Serge Jean-Michel. Voilà. Gallardo. La finie, elle passe. Yapi Yapo. Appelé GT, Sanogo, Sano. Aurier. Enfant de Yopougon. Quand Diba fait parler Soumien. Pelé a fait parler un enfant de sa maman. La maman est enceinte de 5 mois et demi. L'enfant a parlé en guerre. Tout seul me connaît ça. Tout seul me andra. Pelé Joss. Vous me parlez de quoi? Un mort qui joue les moutons sortent, les bœufs, les cabris, les gars sont au terrain, pangolins, agoutis, tout le monde est là. Il y a fois la famille, c'était moi. Hein? Ouais, Grégory, pose la question depuis Canada, là, mon frère. Allez là, c'est ballon. Il n'a pas fait de question. On est confiné d'où? Charles, Zidane, il a envie de voir. Je sais qu'il aime le foot. Il a envie de voir Digbé jouer. Moi, il a envie de le voir jouer. J'aime les bons joueurs. Voilà, j'ai envie de le voir jouer. Florette Simo. Ceux qui disent, est-ce que tu as envie de Digbé jouer? Il n'a pas dit que Digbé ne vaut rien. Il n'a jamais dit ça. Hein? Il ne vous a jamais dit ça. Oh. Ne tronquez pas, mais dit. Il dit qu'il n'a jamais vu jouer. Voilà. Tout ça, c'est Yop. Père à son âme, Tioté Chèque, il était à Cypress. Bon, je vous ai dit au début que affaire des ballons, nous là, notre affaire des ballons, Yopougon, Koumassi, très jeune. Donc quand on parle de ballons, on s'oublie. Voilà. Le foot, c'est je ne dirais pas, c'est comme une religion pour nous, mais c'est autre chose. Donc on est ensemble, la famille. Très très bientôt, vous allez voir le match. Mon messieurs, c'est le terrain. Elle est guérie. Vous allez voir les animaux pleurer. Les animaux. Est-ce que vous avez vu les animaux sourient? Un animal, on ne sait pas s'il sourit ou bien il pleure, on ne sait pas. Mais vous allez voir, les animaux vont rire. Ils vont s'exprimer.